Merci Cyril pour cette gourde. J'ai l'impression d'être une enfant qui boit de l'eau, là. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis hyper productive en ce moment, profitez-en. Parce qu'avec Sport, ma prochaine application qui va sortir d'ici, j'espère, 3 ou 4 mois, c'est toujours un peu compliqué de faire et du contenu pour l'application et du contenu pour les réseaux sociaux. Et en plus de ça, les contenus de cette nouvelle application, donc de Sport, ils sont ultra... c'est les mêmes en fait. Enfin, c'est pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus professionnels, beaucoup plus approfondis que le contenu de YouTube. Et beaucoup plus segmenté. Ouais, segmenté. Ça veut dire que là, dans une vidéo, par exemple, typiquement aujourd'hui, on va parler de dumbbell snatch. Je vais vous donner ma technique pour aller plus vite, bien que je ne l'ai pas inventée, mais je vais vous la donner et vous la simplifier. Et bien, du coup, j'en parle dans Sport, j'en parle, mais en beaucoup plus segmenté, en beaucoup plus pro, en beaucoup plus intéressant. Enfin, pas intéressant, non. Je suis en train de dire que je ne suis pas intéressante. Non, non, je suis grave intéressante, mais je veux dire. Non, oui. T'en veux? Il s'est passé un milliard de choses dans ma tête. Je voulais dire, c'est que au-delà du fait que YouTube, ce soit génial parce qu'on peut parler comme si on était ensemble, et ça, c'est trop bien, c'est un luxe, j'adore pouvoir coacher avec une proximité alors que vous êtes loin et qu'on ne se connaît pas. Mais c'est vrai qu'avec Sport, c'est beaucoup plus professionnel et très tipsé. Donc en fait, on va sur le site ou sur l'application, on cherche un conseil en particulier, on l'a. Tu vois, alors que sur YouTube, il faut bien souvent regarder des vidéos de 10, 15, 20 minutes, ce qui est le cas avec moi. En tout cas, je fais des vidéos de 20, 15 minutes. Donc, des fois, il faut pouvoir avoir le temps de regarder ça. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de pouvoir continuer en ce moment à vous faire quelques petites vidéos YouTube et tout. En plus, ça me manque un petit peu, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous allez bien. Ça va? Genre, vraiment, moi, ça va. Moi, ça va bien. La santé, ça va. Le mental aussi. C'est pas toujours le cas, mais là, ça va. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit tips. J'ai un client qui était dans le besoin d'avoir ce tips, donc je me suis dit, OK, let's go, j'en fais une vidéo YouTube, comme ça, au moins, ça donne le conseil à plein de personnes. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me retrouver sur mes différents réseaux, à savoir Instagram, Dounia et Lacha, sport.app, du coup, c'est mes deux Instagram, et sur tous les autres, hein, genre LinkedIn, tout ça, quoi. LinkedIn, Facebook, TikTok, je suis une TikTokeuse maintenant, mais on peut se retrouver sur tous ces, sur tous ces réseaux sociaux-là. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Alors, ça peut être vague de dire « Ok, retrouve-moi sur mon site internet », mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des routines pour avoir des abdos super solides, il y a des routines pour avoir un dos et des épaules super solides, il y a des routines pour avoir un butterfly, des toast to bar, des muscle-ups super solides, et il y a mes accompagnements. Donc, si tu veux y aller, let's go. On va commencer, et dans cette vidéo, si vous l'avez bien compris, on va parler de dumbbell snatch. Et du coup, le dumbbell snatch, c'est un mouvement avec l'haltère. Alors, j'ai pris un petit haltère pour vous montrer facilement. Normalement, les gens ont tendance à faire ça, ce qui est totalement normal, hein, de poser l'haltère au sol et de recommencer. Dans cette vidéo, on va pas voir le placement, on vous le verrez dans Sport, typiquement. On va pas voir le placement et le fait d'aller vite, on va juste voir la transition. Il y a un passage d'haltère d'une main à une autre, ok? Le fait de poser l'haltère au sol, ça me fait perdre un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, on va voir le conseil qui va vous permettre d'aller plus vite. En avant. Du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais utiliser deux haltères. Je vais utiliser un petit pour travailler la transition et je vais utiliser un grand pour vous montrer en réalité ce que ça donne. Parce que, évidemment, je vais vous prouver que le fait de travailler avec mon halter, donc de faire cette transition, ça marche très bien avec les grosses charges. S'il faut, j'irai chercher une plus grosse charge, mais là, j'ai 17,5 et là, j'ai 7,5. Okay, donc le 7,5, il va me permettre de pouvoir faire et vous démontrer ma transition. Ce qu'il faut savoir dans le dumbbell snatch, c'est que l'action même du mouvement, c'est d'avoir un halter qui est au sol et de le placer au-dessus de la tête. Une fois qu'il est au-dessus de la tête, je le repose normalement au sol et je recommence. Okay? Sauf que dans le monde du crossfit, notamment, puisque le dumbbell snatch, on le trouve surtout dans le crossfit, dans le monde du crossfit est apparu des compétitions. Et les compétitions, le but d'une compétition, c'est de performer. Pour performer, ça veut dire qu'il faut aller plus vite et être plus fort. Et là, dans l'idée, ben, du coup, c'est ce qu'on veut sur le dumbbell snatch. Donc, comment on peut faire pour aller plus vite et être plus fort sur le dumbbell snatch? Eh bien, du coup, on travaille notre transition. C'est très simple. J'ai un halter, il est là.
son chemin, il va partir du sol, il va venir au-dessus de la tête. Donc, dans l'haltérophilie, puisque c'est un mouvement d'haltérophilie, le dumbbell snatch, hein, comme le snatch, son nom l'indique, c'est un snatch, il faut que ma barre, normalement, reste très proche. Donc, c'est la même chose pour mes haltères. Je vais éviter d'aller faire ça et de faire ça, ok? C'est pas le but. Donc, je vais tirer mon cou, déplacer mon dumbbell au-dessus de la tête, mon haltère au-dessus de la tête. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire la descente de la même manière. Donc, ma montée, elle est là, ma descente, elle est là, ok? Ce que je vais venir faire, c'est effectuer ma transition devant mes yeux. J'ai des yeux, ok? Je vais les orienter là-bas. Une fois que mon haltère passe devant mes yeux, je vais changer de main. Donc ça va donner ça. Les yeux, autre main. Les yeux, ok? Si je change, ça fait ça. Ça descend, autre main, ça descend. Sauf que là, c'est un peu segmenté. Et du coup, ben, c'est pas comme ça que je vais gagner du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est je littéralement apprendre à lâcher mon haltère et récupérer. OK? Ça donnerait ça si on n'était pas en train de faire du dumbbell snatch. OK? Essayez de faire ça, vous allez voir. C'est pas dur, c'est pas difficile, c'est un petit peu de réflexe. Surtout quand la charge est légère, c'est assez facile. Donc, je m'entraîne à faire ça. OK? Plus ça va, plus je vais m'entraîner à le faire devant mes yeux. OK? Vous avez vu? De lâche. Bon, une fois que j'ai fait ça, ce qui va se passer, c'est que je vais faire la même chose en temps réel sur un dumbbell snatch naturel. Donc, charge au-dessus de la tête, ça descend, lâche. Et je recommence. Au-dessus de la tête, je retiens, lâche. Une fois que mon haltère est devant mes yeux, je le lâche, l'autre main réceptionne. Hop. C'est un petit training à faire, hein. Une fois que j'ai pris l'habitude, vous pouvez même faire ça dans un skill. Je le répéterai jamais assez. Hein. L'apprentissage, c'est la clé de tout. Si vous décidez un jour d'arrêter d'apprendre, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous courez à votre perte vous-même. Si vous voulez être fort, si vous voulez performer, si vous voulez devenir meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui, il ne faut jamais cesser d'apprendre. Jamais. Les personnes qui cessent d'apprendre et qui prennent des programmations, se mettent dans leur coin et ne font plus jamais des skills, vous ne performerez jamais, sachez-le. Les myself, homemade, tout ça là, c'est super, hein, ça existe. Hein. Mais toutes ces personnes qui se sont faites ne se sont pas faites toutes seules. Elles ont été leadées par un coach, elles ont eu un prépa physique, elles ont pris des conseils de quelqu'un, elles n'ont jamais cessé d'apprendre. Les grandes personnes qui font de la performance aujourd'hui, dans le crossfit, dans tous les autres sports, sont leadées par un coach. Donc, elles ne cessent pas d'apprendre. Si vous voulez pas être... payer un coach ou faire mettre les moyens nécessaires pour un coach, nous, on s'en fout, clairement. Mais par contre, n'espérez pas devenir très, très fort si vous cessez d'apprendre, d'accord? Donc, si vous ne savez pas faire ça, apprenez-le et faites mieux. Après, faites un skill, apprenez à faire ça. 1, 2, 3, paf! OK? Parce que moi-même, je vous l'apprends là aujourd'hui. Mais je suis pas née avec une technique de dumbbell snatch. On me l'a apprise, ok? Je me charge juste de la remettre sur mes réseaux, mais on me l'a apprise. Et si on me l'avait pas apprise, je serais encore en train de faire ça. Je poserais et je changerais. Et ça, bah, en performance, c'est une perte de temps. Bon, donc une fois que j'ai fait ça, c'est là où mon mouvement il va prendre forme. Je vais lâcher et repartir au sol. Je lâche et je repars au sol. Ok? Et là, de cette position-là, je vais aller deux fois plus vite que si je perds mon temps à poser mon haltère au sol. OK? Bon, là, je vous l'ai démontré avec une petite charge. Avec une grosse charge, ça marche aussi. Là, j'ai 15 kilos, pardon. J'ai pas 17,5, j'ai 15 kilos. Du coup, je vais le faire décoller du sol. OK? Et en descendant, je vais le réceptionner. Ça donne... Hop! Je peux ralentir la descente, évidemment, hein. Je suis obligée de ralentir la descente parce que si je ne le fais pas, je vais me blesser. Ok? Je peux pas me laisser alpaguer par la charge vers le sol, je vais me faire mal. Donc je la retiens avec mon dos, c'est ce qu'on appelle, normalement vous savez ce que c'est, l'excentrique, le travail excentrique. Je retiens, et c'est même les principes, les fondamentaux même de l'haltérophilie, le travail excentrique, le travail de retenir la charge et la descente avec les ischios, c'est la même chose ici. Ok? Donc je travaille ça pour pouvoir être plus efficient en dumbbell snatch. Bon, donc si on a bien compris, ce petit conseil que je viens de vous donner, c'est travailler la transition d'un skill. Normalement, la première information que vous devez avoir en partant de cette vidéo, c'est « Ok, je dois continuer d'apprendre ». C'est surtout si je ne connaissais pas ce genre de conseil, je devrais continuer d'apprendre, de par les coachs ou par les vidéos, n'importe.
là, je dois retenir que pour aller plus vite, il faut que ma transition soit efficace. Pour ça, je dois lâcher littéralement mon haltère pour la récupérer. Okay, je ne peux pas faire la passation demain parce que ça, c'est une perte de temps. Et si vraiment je veux performer, ce n'est pas un conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute, tu vois. S'il débute, tu poses au sol et tu recommences. Mais maintenant, si tu veux améliorer ton niveau, eh bien, il faut passer par là. Donc, on va essayer ensemble de travailler cette transition pour récupérer les haltères. Je peux très bien commencer un workout tranquillos avec une petite charge pour travailler ça. On s'en fiche que vous fassiez un 21-15-9 dumbbell snatch burpees avec une charge qui n'est pas la vôtre d'habitude. On s'en fout, on n'en a rien à faire. Vous pouvez prendre 10 kilos, vous pouvez prendre 7 kilos. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Nous, coach, on s'en tape. Tout ce qu'on veut, c'est que vous performiez, si vous avez envie de performer, vous soyez en bonne santé, que les mouvements soient bien exécutés et que vous repartiez de cette séance content d'avoir fait du sport, de vous être dépensé et de ne pas vous être blessé. C'est tout. Le reste, ça n'a aucune importance. Donc, si vous voulez vraiment pratiquer, prenez votre dumbbell, okay, votre haltère, prenez un petit haltère, pratiquez dans le wood. Une fois que vous êtes de plus en plus à l'aise avec ça, parce que c'est ça en fait, vous allez être de plus en plus à l'aise, et bien du coup, vous allez pouvoir upgrader, prendre plus lourd et arriver petit à petit à la charge que vous aviez et être tranquillement avec votre haltère et gagner du temps. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté quand même des nouvelles indications sur votre pratique. N'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Il y en a une qui va pas sortir, qui va sortir dans pas très longtemps. En octobre, je fais le talk show avec... je sais pas si je dois vous le dire. Je fais le nouveau talk show donc, qui devrait sortir avec 3 athlètes super coolos. Et voilà. Et après, moi, je me laisse porter par les grès du vent. Donc, si vous avez des vidéos, des conseils à me demander sur tel ou tel mouvement, des fois, tac, ça fait tilt. Et je me dis, je vais en faire une vidéo YouTube. Donc, n'hésitez jamais à me demander quoi que ce soit sur les réseaux. Même si je finis par pas faire de vidéos, vous aurez demandé au moins. Voilà, je vous fais des gros bisous. Pratiquez votre dumbbell snatch et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.